Bon, tous les concurrents n'étaient pas présents, bon, c'est vraiment dommage. Mais il fallait rouler simplement et gagner la course de Côte de Bananier, voilà, c'est fait. Mais il n'y avait pas vraiment la bagarre entre moi avec d'autres concurrents parce que bon, il manquait quand même pas mal de gens. On ne va pas dire que je n'ai pas eu de concurrents directs, mais c'était un petit peu difficile quand même parce que Pyram n'est pas venu. Il y a d'autres personnes qui n'étaient pas présentes et malheureusement, bon. On a roulé calmement et bien assuré pour être sur le premier marge du podium. Ben, la course de Bananier, c'est une course que j'apprécie énormément. Et puis aujourd'hui, je devais faire en sorte de contrôler Edmond Biquet au mieux. Ça n'a pas été facile puisqu'on a eu des problèmes de coupure électrique encore une fois. Ben, le gros souci qu'on a ici, c'est que moi j'ai, que tous les autres concurrents en ont, on n'a nulle part où essayer des voitures. Donc on change des pièces, on pense que c'est la bonne pièce, on améliore les choses, on pense qu'on a résolu le problème. Et quand on arrive le jour de la course, moi c'est les seuls jours où je roule la voiture.
Donc je me rends compte que voilà, le problème n'est pas résolu, donc faut encore bidouiller, et puis le résultat, on finit deuxième. Très belle course, il y avait un beau public. Contrairement à ce qu'on pensait, la météo a été belle toute la journée, on a eu un beau temps. Les temps étaient un peu plus difficiles que les autres années. On n'a pas atteint nos objectifs, mais on arrive à se hisser sur la troisième place du podium. On est quand même content. Vous savez, au sein du groupe F2000, il y a toujours une grosse bagarre avec Joseph Ludomir et Cédric Tell. On s'est tiré la bourre toute la journée. J'arrive à passer devant, c'est très bien pour nous. Qui a été super bien organisé. Il y avait bon, peut-être que 14 pilotes au départ, mais bon, 14 pilotes en tout cas passionnés et puis à en découdre. Sinon, c'est une journée qui s'est très, très bien passée. On avait une très belle bagarre dans le groupe F2000. 6 au départ, on arrive à terminer théoriquement en attendant la confirmation du résultat deuxième du groupe et premier de la classe. Donc, on peut dire en soi une très bonne journée, une organisation parfaite.